That's my best friend. Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui et que votre famille se porte bien avec ce petit confinement qui dure, mais on arrive au bout. On arrive au bout. En espérant que ça va de mieux en mieux, on voit la télé, j'ai vu tout à l'heure à la télé, ça allait de mieux en mieux, donc tant mieux. J'espère qu'on va vite sortir de là et que c'est merde sera passée. Et tout le monde espère, parce que là c'est le mois où la chaleur commence à arriver et où toutes les Françaises, même en Algérie et tout, les gens ils préparent leurs vacances. Mon père il m'a appelé, il m'a dit nous aussi on est enfermé en Algérie. Bon, l'équipe, je suis pas tout seul, comme vous l'avez compris, hein, je suis avec Abdel. Et pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo réaction de ces clips vidéo. Et comme vous savez, moi, je suis franc, je suis un bâtard, c'est mon bof, pas mon bof, si c'est de la merde, je vais lui dire normal. D'ailleurs, je l'ai prévenu avant de la vidéo, je lui dis le bof, le prends pas mal, si je te dis, tu me connais, je dis la vérité, si j'aime pas, ouais, c'est de la merde. Par contre, je te dis un truc, ouais. Ne taille pas trop devant tes abonnés, parce que je te promets, tu vas finir en calcif au studio et je vais te dire, vas-y, fais mieux. Donc fais attention à ce que tu dis. Enfin, tout ce que tu dis, parce qu'il peut avoir des camps. Oh, cousin, avec l'autotune, on peut tout faire maintenant. Je te proposerai, tu sais quoi alors? Avec l'autotune, on peut. Je vais garder cette séquence que je vais reprendre dans une de mes vidéos. Avec l'autotune, on peut tout faire. Je vais t'utiliser dans le studio avec l'autotune et on verra ce que tu peux faire. Pas de problème, mais même sans autotune. Avec l'autotune, j'ai une voix rock. On verra. Oui, j'ai une voix rock et baroque. Ouais, bah ouais, t'as une voix rock. C'est ça le truc, mais on verra ce que t'es capable de faire. Bon, l'ami, on attaque? On attaque. T'es chaud, t'es prêt? T'es chaud? Mon fun que t'as pas regardé jusqu'au bout et la plupart qui t'as pas regardé. Voilà, et pour vous prévenir, les clips d'Abdel, les chansons, j'ai beaucoup écouté dans la voiture, tout ça. Mais après, les clips. Je les ai pas regardés, j'étais au Heps. Et là, depuis que je suis sorti, je vais pas vous mentir, je crois que j'en ai vu 0 en entier et 1 ou peut-être 2-3 maximum à début. Voilà. Le plus que j'ai vu, c'est mon phone. Mon phone. Alors, on y va, c'est parti. That was production on the track. Déjà, t'as pris un beau décor. Déjà, ouais. Franchement, t'as pris un beau décor. On peut pas. Là-dessus, sur celui-là, on peut pas le dire. T'as bien choisi. J'ai pris 3 ans de salaire. Ouais, en un mois. Envie de faire tour de la terre. De me barrer. Mais celui-là, en fait, je peux rien dire dessus, tu vois. Codes, non, très peu pour moi. Tu peux pas le tailler celui-là? Tu vois, je peux pas le tailler celui-là. Parce que comment tu veux le tailler? Véridique, celui-là on peut pas le tailler, la chanson elle est bien. En fait la musique c'est tellement universel, t'en as qui taillent celle-là et qui disent qu'elle est naze, et ils disent que le carré c'est la meilleure, et t'en as c'est l'inverse, ils disent le carré est naze, et celle-là c'est la meilleure. En fait la musique c'est tellement universel, qu'en fait, tu fais une musique, elle va déplaire à plein de gens, et elle va plaire à plein de gens. Non mais tu vois c'est comme par exemple tu prends Edith Piaf, j'aime pas. Ouais. Ouais j'aime pas Edith Piaf. Et il y a des musiques, tu peux pas les tailler. Ouais bah oui. Parce que c'est... Tu vois comme là tu veux tailler quoi, le clip, il est bien tourné. Où c'est que t'as allé, c'est magnifique. Les paroles elles sont bien. Tes paroles elles sont très très bien. Tu vois ce que je veux dire? Les habits que t'as pris dedans, le look que t'as mis au bon moment. Regarde les... Tu vois, qu'est-ce que tu veux tailler? Même si j'aime pas. Tu vois, c'est pas un truc que j'écouterai toute la journée. Ouais. Tu vois? Mais qu'est-ce que tu veux tailler quelque chose? Même ça serait un autre, je vous dis la vérité. Qu'est-ce que tu veux tailler? Après, c'est sûr que c'est le style de chacun est différent, naninana, mais tu peux pas, comme je dis, il y a des trucs des Deep, même de Johnny Hallyday, des machins comme ça, on n'écoute pas, mais tu peux pas le tailler, le vélo, c'est ça serait être une langue de pute, un menteur, quoi, tu vois. Ouais, c'est ça, il y en a tellement de jalousie, tu vois. Voilà, c'est ça. Parce que là, je peux pas. Celui-là, bon, déjà, perso, je l'aimais bien, déjà. Ouais. Déjà, je l'aimais bien, parce que comme je te dis, tu peux pas, là. Toi, il a bien filmé, t'as comme elle est bien filmée. Tu as le petit plongement comme ça là. Même les scènes, toi, il les a trop bien mis, tu vois, au pomme. Alors, franchement, il est lourd celui-là. D'ailleurs, ceux qui veulent s'abonner à la chaîne musique, est en description. Ouais, allez-y. Le seul truc que t'aurais pu rajouter à la fin, au pire, c'est tu vois, comme. Un bon spoiler. Pourquoi pas. Dans la nature là. Il aurait été chez lui là. Là où tu prends ton phone et tu le jettes. Tu vois, t'aurais pu rajouter un truc comme ça. Tu vois, quand tu dis ouais, mon téléphone, je le prends. Tu vois, je le jette. Ouais, ça fait mal. Non, parle pas trop vite. Regarde.
Qu'est-ce que tu disais? Je l'avais pas vu celui-là. Pour vous montrer que je les ai pas tous vus en entier. Ah non, tu disais que du coup. Ah, ouais, je voilà, pas, le parfait, le parfait. Ben voilà. Et voilà. Et ben voilà le bon. Alors, après, on se retrouve du coup pour le carré. Là, j'ai tapé des mains, les moulas du club sont en loup, boutin d'or, au voile palmain, le carré est alors, trop rempli. Précision sur ce clip, j'avais le seum, c'était un jour où il y avait la putain de grève. Et c'est une boîte de nuit qui est à une heure de toute ville. Ah ouais, donc si... une heure et demie, elle est en pleine montagne. On était venu avec BY, je pense que tu avais vu avec BY. On était venu avec BY, j'avais fait la pub, il y avait des centaines et des centaines de personnes, des centaines vraiment de personnes, la boîte elle était remplie pour BY, pour moi et tout, parce qu'on était venu et tout, on avait fait le Copacabana de BY et tout, on avait rempli la boîte. Je suis arrivé gros, j'avais le seum. Oh. Bah j'arrive, il m'a mis le jour où il y avait le truc là, la grève, j'avais la mort. Ouais, trop rempli. Il y avait plein d'abonnés qui n'ont pas pu venir, qui m'ont dit que je voulais venir avec des potes et tout, qui n'ont pas pu venir de Lyon, de Saint-Etienne, de Grenoble. Pourquoi? Parce qu'elle a 1h30 de Grenoble. Mais quand t'arrives à 1h30, il y a 1h de montagne. En fait, il y a 1h, c'est que de la montagne pour arriver dans la boîte. La boîte, elle est pleine de montagne en fait. Tu vois? Tu vois, là, c'est beaucoup de gens du village en fait. Tu vois, des villages autour, tu vois. Parce qu'il y a des, ils ont des navettes en fait qui va 30-40 minutes jusqu'à un tour. Moi je n'étais rien ni personne, maintenant le niveau est élevé. Bien sapé de la tête aux pieds, en plus la sacoche. Là ils ont dit, Zantar il connaît pas les paroles, sauf celui qui les a écrit, il les connaît par cœur. Elle veut que je snap, mais vas-y laisse. T'en penses quoi, ce clip? Ça va, mais je l'aurais. C'est le seul clip, c'est le seul clip que tu verras sur internet dans une boîte de nuit sans alcool. J'ai pas d'alcool, y'a pas d'alcool. C'est un peu genre gamin, tu vois, c'est un peu jeune, genre pour les jeunes, c'est un peu dur, c'est pour les jeunes. Après, j'aurais pas mis cette musique sur ce clip, tu vois. Ouais? Ah, les jeunes, ces ados, tu vois. Ouais. Même l'autre, il m'a dit, prête-moi ton chapeau, je vais mon chapeau, il a pris ses têtes. Elle veut que je snap, mais vas-y, laisse. C'est bon délire et tout, les jeunes. J'arrive en balle, à toute vitesse. Elle veut que je snap. En plus, ta boîte, elle est fermée là. Ce soir, c'est je veux dire, la boîte, elle est fermée là. On va mettre la boîte. Tes mains, les moulas du club sont en loup, boutin d'or, au foie de balmain. Le carré est trop rempli. Ouais, trop rempli. Comme ton verre qui est trop rempli. Regarde, il voulait me faire boire, j'ai dit non. Y'en a, faut pas leur demander la carte d'identité, je crois. Ouais, non, là, c'est une boîte en fait pour mineurs et majeurs. En fait, c'est une boîte mix. Parce que je pense que c'est une boîte en fait où il y a tellement de jeunes du village à côté. Ouais, village, si tu la mets que pas. Pour les grands, tu la mets que pour les grands. C'est pas mort. De. Ouais, y'a personne. Non, ouais, celui-là c'est. Voilà, la musique, bon, je la kiffe, la musique, tu connais, tu vois. Ouais. Celle-là, je la kiffe comme musique, le carré. Le clip un peu moins. Mais le clip, ouais, c'est clip boîte de nuit, tu vois ce que je veux dire. C'est pas un clip recherché comme tout à l'heure, tu vois. C'est pas... Ça, c'est facile à faire, tu vois. Voilà, ça, tu vois ce que je veux ça dire. Ça t'aime bien, toi. Ça, voilà, ça, c'est des clips. Boîte de nuit, oui, t'en fais un, parce qu'il en faut bien un dans ton délire, tu vois. C'est dans les. Ça, c'est GMT, voilà. J'irai loin. Petit truc et tout, elle était bien. Mais celui-là est juste. Ouais. C'est ma femme, ma vie, puis refrain, trop de mauvaises ailes sur moi. On est parti en équipe. Alhamdoulilah, Dieu m'a tout donné. Quand je pars dans ma ville, il fallait que je fasse un truc bien. Ils ont bien kiffé les gens, franchement. Il y a des bons retours. Même en streaming, il y a eu des bons retours. Il est beau celui-là aussi. Tu vois, celui-là, c'est plus. L'été, tu vois. Celle-là, ça, c'est des musiques qui répètent en été. Toi, c'est une musique qui va répéter en été. Même t'as pris les bons décors, tu vois ce que je veux dire. Ah, c'est le trottinette du frère Akops. Ouais. Vous les avez passés et tout. Je n'ai jamais changé. Quand je repense à l'époque, ça les trous étaient les poches. Avaient pas dans la salle. En plus, celle-là, moi je te connais, tu vois. Celle-là, je te mets trop bien toi. Ah, tu vois ce que je veux dire? C'est trop toi, celle-là. Pas facile là, il y avait plein de gens sur Bioport qui commençaient à nous entourer et tout. Je clippais devant les gens et tout. C'était quelque chose, hein. C'était pas facile. C'est ça qui est bon. C'était. Parce qu'il était magnifique. Par contre, c'est chaud aussi. Je devais me changer dans les calanques, me changer pratiquement en pleine rue, te changer. Ah, mais quand on est artiste, il faut faire. Quand on commence et tout, c'est comme ça. Hein. Après, c'est... les gros, ils ont des camions, ils sont dedans, ils enfoirés, mais.
on fait avec ce qu'on a au début. Bah t'as fait pire quand même. Ouais bah ouais. J'ai déjà plus galéré bah ouais. Si ça serait que ça la galère, changer dans une rue. Là aussi hein. Les trottinettes, on a fait monter le caméraman dans une autre trottinette devant. Il était devant comme ça, caméraman. Et moi j'étais comme ça là avec les autres derrière moi et tout. Ouais. Là tu vois le caméraman était sur une truc aussi lui. Ouais, il était comme ça retourné. Il était avec le double truc comme ça, il était comme ça derrière. Dites-moi ce que vous en pensez. Pour moi, celui-là c'est le meilleur. C'est le meilleur. Donc c'était qui? J'avais encore trouvé. J'avais cru ici. Et en plus, c'est vrai, il a jamais changé. Carré. Ah c'est vrai, parce qu'elle a pris la grosse tête. T'as vu le feu d'artifice? J'avais même pas vu. Bon là, je l'avais même pas vu. Je l'ai jamais vu. Feu d'artifice ici. Calme. Oh là, je l'avais même pas vu. C'est magnifique. Là, Jetski, il me dit quoi mon manager? Il me dit ouais, vas-y Jetski. Je dis attends, bouge pas, je me déshabille. Il me dit qu'est-ce que tu fais? Dis non, habillé. Allez, vas-y. Allez, nique sa mère. Allez, quand même, on y va. On prend le jet-ski, tout habillé. La patate. Ah, par contre, j'ai fait des prises, elles étaient dangereuses. Elles étaient dangereuses. Voilà, pour remercier les gars qui nous ont prêté les petits trucs. Normal. On leur a mis leurs petits trucs, on a mis les petits. Mais celui-là, il est joli. Celui-là, même la musique, elle est bien. Celui-là, il est joli, c'est pareil. Moi, j'ai pas grand-chose à dire parce que pour moi, celle-là, c'est la meilleure. Ouais. C'est le meilleur. Non, c'est pas la meilleure. Attention, je dis une connerie parce que j'en ai découvert une nouvelle meilleure que je crois qu'ils n'ont pas encore entendu. Ah non, ils n'ont pas encore entendu. Ah, voilà. Le son, ils n'ont pas encore entendu. Et c'est un son un peu crapuleux. Ouais, non, donc, ils vont aimer. Ouais, et je pense, toi, t'aimes bien, c'est crapuleux. Ah, c'est le meilleur. C'est crapuleux. C'est le meilleur, ouais, je le dis. Celle-là, c'est 4 163 000 vues. Hein. C'est une masse, celle-là. Je venais de commencer et tout, je savais pas encore bien chanter. Amateur, t'as les fous. J'avais pas encore les petits trucs et tout. Ouais, parce qu'après tu te lâches de plus en plus. Même après, les clips et tout, je me lâchais pas trop, tu vois. Sur ma mère des envieux, ils ont pas un pas deux. Ils rêvent de voir ma chute, cette bande de chiens. T'en as 4 poches. Un petit placement produit et je gratte un chèque puis deux. Et je remercie Dieu de pas m'avoir fait comme eux. Là j'étais vraiment pas bien, j'étais bronzé et tout, mais j'avais plus de cheveux. Et j'avais le trou dans la barbe, j'étais vraiment pas bien. Ça sera plus la même qu'avant. Bas soleil, le vent, les jaloux battent sur leurs écrans. Et moi, je suis toujours le même qu'avant. Les abonnés, en fait, tu m'as dit, ils aiment bien les musiques simples. Tu restes le même, tu dis que j'ai changé. Tu rêves, crois-moi, YouTube, ça rapporte plus qu'un sanger. Tu restes le même, tu dis que j'ai changé. Tu l'avais gris, hein. Tu rêves, crois-moi, YouTube, ça rapporte plus qu'un sanger. Pas de permis, mais t'as le petit jeu avec le mur là. Vite un dépôt qui crache, JMD au volant. Celui-là, il est beau le clip aussi, hein. On l'a fait monter à la RS à 201. En pleine pluie, c'est la merde. Moi j'étais à 200. Ah, mais en plus, c'est la merde. Là, t'es chez moi, frérot, pas de regard menaçant. Viens t'asseoir à ma table, je suis dépensé du sang. Tu vois, c'est un pareil, Grenoble. En fait, vous avez vu, il y a plusieurs styles. En fait, ça qui est bien, c'est que t'as fait plusieurs styles, tu vois. Le truc, c'est qu'on a fait un peu de garage et un peu de quartier, genre street un peu avec des dessins et tout. Je kiffe. C'est ça la street. Une voiture sport. C'est pas forcément de la drogue, de la cocaïne. C'est pas ça la street, frérot. C'est les dessins, c'est les tags un petit peu, les trucs comme ça que les jeunes font. C'est les voitures sport un petit peu, ça représente un petit peu la jeunesse, tout ça, tu vois. Ah mais tu vois, t'as bien mis les points de musique au bon truc. Ouais, mon gros bébé. Ça c'est mon gros bébé. Là, la elle a fait 4 millions de vues celle-là. Après par exemple, tu vois, ce que t'aurais dû faire, c'est au lieu de mettre toutes ces voitures, ouais. Tu vois, j'aurais pas mis tout ça moi. J'en aurais mis 3. Tu vois, j'en aurais mis 2 comme ça. Une, par exemple, j'aurais mis la bleue. Ouais, mais le truc c'est qu'elle s'était garée, je me suis dit, c'est des belles voitures. On clip en fait, c'est juste un truc. Tu en mets une petite dernière? Ouais, les jujus. Parce que là pour l'instant tu critiques pas trop là, ça va. Mais tu veux que je critique quoi? Encore là, mon gros bébé là, encore là. Elle est partout celle-là. Ah mais celui-là aussi il est magnifique, le clip aussi, tu vois. On a galéré pour clipper ici. Le mec nous a rendu fou. Et je peux dire par contre, il y a un truc que je pense qu'ils savent pas les abonnés. Vas-y déjà. Le panneau qui du plat. Tu te rappelles plus des paroles? Ouais, j'ai eu des problèmes avec quelques paroles. Même ça je le sais. J'ai eu des problèmes avec quelques paroles.
parce que je l'ai appris trop vite en fait la musique et j'ai pas eu le temps d'enregistrer les paroles. Des fois voilà, y a plein de mecs dans la musique qui mettent pas leurs paroles. Hein. Attends, tu la connaissais pas. Attends, regarde, je te mets la vraie qualité. Regarde la qualité. 2160, 50 fps. Après celui-là aussi, je sais pas ce que vous en pensez les abonnés, mais celui-là aussi il est magnifique. Hein. Vraiment, j'ai eu tellement de clips différents, j'ai bien géré quand même. J'ai su gérer mes clips. Avec mon manager, vraiment, mon manager est vraiment très fort. Après, c'est vrai que tu fais du bon quand même. Genre, pour le début et tout, toi, il n'y en a pas ce qu'ils ont droit. Hein. Il n'y en a pas. Hein. Ça va, Switch, il a fait pour Switch, on dirait rien. Mais j'ai fait un partenariat 3 ou 4 musiques avec. On en parlera de Switch. Non, mais j'ai fait un partenariat en fait sur 3 musiques avec eux. Faut que je les retrouve, c'est lunettes. Après tu vois la musique, tu vois, c'est sans là, c'est pas trop ce que j'écoute moi, tu vois. Ouais bah oui. Ça tu vois. Bah pourquoi, mais pourquoi elle a bien marché. Bah oui, elle a fait 1,4 million quelques mille. J'aime bien cette perdue. Tu m'as volé. D'ailleurs j'ai retrouvé la casquette. Ouais, celle-là là. Celle-là. Tu vois, t'aurais dû prendre un peu de style 2-3 personnes avec toi, tu vois. Ouais, mais justement, c'est un truc où je suis perso. En fait, je peux pas faire ça avec du monde parce que c'est vraiment un message pour mes abonnés. Tu vois, c'est vraiment un truc pour. C'est vraiment un message pour mes abonnés. Tu vois, donc, horrible. T'as la calvasse dans le dos. La vie, il est trop moqué de moi quand je vais pas avoir la calvitie. Ici. J'ai trop moqué de moi. Seul au fond de la classe, j'en avais marre, je me suis levé. J'ai la dalle depuis le berceau, je te jure que je salivais. Que je suis. Le jeune Fennec était fait pour briller. Peu croyez au monde aujourd'hui, ils sont tous mal à l'aise. Au bord de mer. Stylé là, la pub là-bas. Stylé ou pas, ça fait pas publicité là vraiment là. Oh. Ah, bientôt on va le voir dans le début. Attends. Oh, ça fait pas publicité, regarde comment je la regarde, la canette. Regarde mes yeux. Ça va, t'es à l'aise quand même dans les clips. Dans ceux-là, ouais. T'es à l'aise. Hein. De toute façon, plus tu vas avancer, plus tu vas être à l'aise. Hein. Les haines nous envient, dis-moi pourquoi ils sont jaloux. Marche que par intérêt, mais tu vas pas nous la faire à nous. Si je réussis et que je peux le faire pour. Ouais, il m'a arnaqué, il m'a mis les 3 meilleurs, je crois, du moins 2 meilleurs. Après celui de la boîte de nuit, comme je vous dis, je peux pas trop le critiquer parce que c'est un truc boîte de nuit quoi. Bah, tu voulais critiquer quoi, la tête des gens qui sont manches. Quel bâtard. Bon, alors attends. Quoi? Celui-là, du coup, tu veux critiquer lequel? Parce que là, je t'ai montré déjà 4. Avec les croquettes sans serre. L'inventaire, c'est 5e musique. Ah, mais ouais. Il a fait que des clips à l'américaine. Ah, est-ce que je veux dire ou pas? Il a fait des bons clips ou pas, Kevin? Tu critiques ce que tu veux, enfoiré. Tu critiques pas mon travail. Non. Tu critiques pas le travail. Quand on doit faire du bon travail, on a le bon caméraman, le bon manager et la personne. Va. Mais c'est juste, moi, les musiques, après, quand je vous dis, c'est mon bof. Hein. Mais c'est pas pour. Il y en a, j'aime pas. Hein. Je sais. Hein. Regarde-moi ça. J'appelle Turquie. Tiens, on a bien montré la Turquie. Alors, qu'est-ce que vous voulez critiquer, par exemple, un clip comme ça, la Turquie, c'est filmé comme tout à l'heure, un château. Tu peux pas critiquer un château. Qui rêverait pas d'aller dans un château, frérot? Tu vois, après, c'est critiquer la musique, dire des trucs. Mais tu peux pas dire grand-chose sur les clips comme ça. Après, comme je vous dis, les musiques de mon prof, c'est pas celles que j'écouterai tous les jours dans mon salon. Hein. Ni dans ma voiture, mais j'écoute. Tu peux être chauveux, demande un golo quand t'es. Après, je vous dis, celle qui va arriver là bientôt, ouais, celle-là, je la mets dans ma voiture tous les jours. Parce qu'il commence à se lâcher un peu, le bof, un peu. J'ai dit un peu plus street des fois quand même. Parce que là, c'est un peu trop Copacabana, ouais, ce que je veux dire. C'est un peu la américaine. J'ai envie de leur montrer que je peux tout faire. Voilà. J'ai envie de leur montrer qu'on peut faire des trucs beaux avec des bons plans, qu'un truc un peu quartier, on est capable de tout faire. Je leur montre qu'un rebeu, c'est pas juste un mec de quartier qui veut faire juste du quartier. Voilà. Tu vois, qu'un rebeu aussi voyage. Tu peux leur montrer des beaux trucs, tu vois. On commence à avoir une réputation dans la musique. À chaque fois, en fait, quelqu'un fait musique, c'est drogue, cocaïne, pute, insulte. Voilà. Quartier, pas forcément. Ouais, il y a des beaux trucs. Il y a beaucoup de rebeux aujourd'hui qui voyagent. Moi, je connais beaucoup de rebeux et des meufs et des mecs qui voyagent aujourd'hui. Pour montrer aussi qu'on voyage. Ah, mais c'est pour ça, ceux qui critiquent des clips comme ça et tout, c'est pas possible. Après, vous pouvez critiquer la musique, aimer ou pas aimer. Comme je vous dis, moi, il y a des musiques que j'aime pas trop et c'est mon bof. Hein.
Et je lui dis, celle-là j'aime pas, celle-là j'aime bien, celle-là j'aime pas. Elle est passée sur l'énergie celle-là en plus. Moi je vous dis, celle que j'aime bien, c'est la dernière. Comment elle s'appelle? Regarde de l'autre. Qu'est-ce que tu veux critiquer ça? Il est venu pas au cul toujours là. On a allé le voir un jour avant avec Oscar, celui qui m'a fait l'opération. On a allé le voir un jour avant. On a dit demain je tourne la clé parce que tu peux venir et tout. Il est venu. Il a dit ouais, demain on fait une année, à quelle heure, 21h. On s'est donné rendez-vous pour le clip. On va tourner avec lui après, nous a remercié et tout. C'était super cool. Et pour les gens qui disent qu'il faut le payer pour avoir. Pour qu'il vienne te servir, c'est des menteurs ceux qui ont dit ça. C'est quand tu prends la côte en or, en fait il vient te servir, il vient te la couper s'il a le temps. Et tout. Le mec il a 40 restaurants dans le monde. S'il est là, il est là. S'il a le temps, il vient. S'il a pas le temps, il vient pas. Voilà. Bon, bof. Franchement. Bon, alors. Non, comme je te dis, tu peux pas critiquer des clips comme ça, tu vois. Parce que t'as fait quand même, toi, pour le début de la musique que t'es arrivé, tu vois, ça fait 7 mois, 8 mois, tu m'as dit. Ouais. 7, 8 mois, tu vois. Il y en a, ils ont jamais fait ça en 10 ans, je crois. Ouais, pourtant, attention, pourtant, certains vont dire, c'est des clips chers et tout. Alors, non. Alors, attention, le premier clip, par exemple, j'irai loin. Alors, le premier clip, toujours le même, il y a quoi qui est cher? J'ai tourné dans un garage. De mon pote, en fait, j'ai juste demandé à mon pote, ouais, tu peux tourner dans le garage, c'est gratuit, tu fais de la pub même, carrément, tu vois, carrément, donc c'est gratuit. Et en plus, le deuxième, je tourne dans un quartier un peu street, avec des dessins et tout. Donc, premier clip, j'ai payé quoi? Ouais. Je suis resté à Grenoble, pourtant il est magnifique le clip, c'est les idées en fait qui sont intéressantes. Ouais, c'est ça, c'est que t'as beaucoup d'idées en fait, c'est comme... Ouais, j'irai loin, mon manager il m'a dit, ouais, on fait un truc à Marseille, vas-y, on a payé juste quoi? Pour aller à Marseille, on a payé le péage, l'essence, on est arrivé, on a pris un bateau. Le bateau il coûte 20 euros pour aller au l'île du Frioul et tout. Ouais, 20 euros. Les trottinettes, on les a gratuits, on leur a dit on vous fait une pub. Ouais, ils nous ont dit si vas-y. Tu les aurais payés, ça ouais, même trop bien, tu les aurais payé 20 balles, 30 balles. Ouais. Voilà, 50 balles. Voilà. Merde. Il y a quoi encore? Il y a. Ouais, tu manges là-bas, c'est normal, c'est logique. Ouais, non, mais ça, tu manges voilà. Partout, tu vas manger. Même voilà, chez toi, tu manges. Voilà, c'est ça. Donc voilà. Mais voilà, il y a eu le truc du Frioul, il y a eu le trottinette. C'est que t'arrives à te débrouiller. Pareil, les jet skis, on leur a dit on fait une pub ou vous voulez qu'on vous paye, c'est comme vous voulez. Ils nous ont dit oh, on préfère une pub. Allez, let's go, passez-nous le jet ski, on vous fait une pub. Tu vois, c'est cool, roule, c'est ça. Mais c'est qu'à chaque fois, ça. Tu te débrouilles en faire après des beaux clips, des beaux trucs sans dépenser trop d'argent. Voilà, tu vois, parce que les gens en plus, le mec, je pense qu'après, les gens qui ont le sens du business, ils préfèrent plus avoir une pub à se dire j'ai travaillé avec tel artiste, même si je suis pas connu aujourd'hui dans la musique, même si le bof il fait de la musique, admettons, il est pas connu, il fait 150 000 vues sur sa musique. Imaginez demain, le mec il est connu, le rappeur. Eh ben il va venir chez qui s'il a envie de faire du jet ski? Ben il va revenir chez toi. Parce que la dernière fois, ça s'est bien passé. Parce que la dernière fois, il a bien bossé. Tu vois, donc c'est ça le business aussi, c'est de penser à long terme. Tu vois, il y a certains qui ont cette idée. Tu vois, après, toi, t'arrives quand même à voir bien les choses. Et c'est vrai que votre tonton, quand même, si hier on en parlait, rappelle-toi, je te disais hier. Je disais quand même, il arrive à bien voir les choses. Ouais. Tu vois, bien faire les choses comme il faut. Quand il fait quelque chose, il les fait carré, bien. Ouais. Après, il le fait avec le cœur. Si les vous vidéos, regardez YouTube, les vidéos, il a tout fait avec le cœur. Mes vidéos, en fait, elles sont comme ma vie. Ouais, c'est ça. Elles sont simples. Parce que c'est ma vie. Parce que c'est la simplicité. Mais moi, je te connais. Voilà, c'est la simplicité. Par contre, là, on parle de la musique. Et la musique, c'est du travail. Là, on peut pas, c'est pas du bâclage. On peut pas dire, ouais, c'est comme ma vie, non, je fais. On va pas prendre une caméra, aller au studio, se casser un œuf sur la tête, saluer l'équipe. Là, c'est pas pareil. Là, c'est ça, c'est propre, c'est carré. Parce que quand on me dit, Abdel, fais-toi plaisir, fais ce que t'aimes, je fais ce que j'aime. Quand on me dit, Abdel, fais ce que t'aimes. Par contre, là, c'est pas des vidéos YouTube, là, c'est de la musique. Il va falloir que tu sois un peu carré, que tu bosses bien, que tu fermes ta gueule et que tu m'écoutes, pas de souci. Moi, quand Flo, il me dit, le mec, il a 10-15 ans de musique, tu vois. Il me dit, hop, là, c'est de la merde. Retourne en cabine. Je recommence. Ben et je reste sur une phrase pendant 20 minutes s'il faut. Quand Flo me dit c'est bon, c'est bon. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Quand je vous dis c'est mon bof, je le connais maintenant, je vis avec lui, je le connais depuis longtemps. Et je sais qu'il fait tout avec le cœur, tout bien. Moi, je suis grave fier de lui parce que, franchement, et grave fier de vous, de tout, sur toute sa communauté et tout, parce que vous êtes grave derrière lui et vous ne les avez jamais lâchés. Parce que je pense qu'au fond de vous, vous voyez le travail qu'il vous donne pour vous. En fait, vous voyez ce que je veux dire, en fait, c'est, il vous donne avec le cœur, et moi je le sais, parce que je vous dis, je vais avec lui, tout ça, quand ça va pas, même une vidéo, des fois, tac, ça va pas, il la met pas la vidéo, croyez pas qu'il fait les vidéos juste pour l'argent,
il y a 10 000 vidéos qu'il a mis à la poubelle. Ah oui, bah oui. Juste pour un petit truc, hein, des fois. Avant, il y avait beaucoup les pranks fail que je mettais à la poubelle. Et parce que les gens disaient, ah ouais, mais à chaque fois, tu fais un prank, ça marche. Parce qu'en fait, avant, je supprimais les pranks fail. Et après, au bout d'un moment, j'ai dit, bah écoutez, si vous voulez les abonnés, je vous mets les pranks fail. Ils m'ont dit, ouais, mais les pranks fail, je mettais. Et la musique, je pense qu'en fait, il est arrivé dans la musique et il s'est dit quoi ? Il s'est dit, je vais pas arriver, voilà, prendre une caméra, faire ça, ouais, ça, ça, montre. Si j'y vais, j'y le fais et bien. Qualitatif. Et... voilà, et je pense que les clips, ils sont qualitatifs. Voilà. Après, l'essence, c'est plus ou moins ce qu'on aime pas. Ça c'est les comme goûts. Les films, ça, c'est comme tout. Ça se discute pas. Et voilà. De toute façon, j'ai juste... Les couleurs, ça se discute pas. J'ai juste un truc, c'est du level up. C'est-à-dire que j'ai juste à prendre du niveau maintenant. C'est maintenant... Ouais, mais même quand... voilà, non, mais même, tu prends... Regarde, comme je te dis, tu prends Johnny Hallyday, des gens comme ça, des gens qui ont du niveau. C'est pas que t'as du grand niveau, que ta musique, elle est bien aimée par tout ton public. C'est vrai. Demain, tu vois, sur un album, on peut pas dire que les gens, sur un album, ils aiment de la première à la dernière. C'est les menteurs. Ouais. Même moi qui écoute Koffs depuis que je suis tout petit, il y a des chansons j'aime pas, frérot. Pourtant c'est mon rappeur préféré, mais j'aime pas. Ouais. Il y a des trucs j'aime pas. C'est pas que j'aime pas, c'est pas mon délire, c'est pas mon. Il y a des trucs que tu butes. Voilà, comme il y a des rappeurs, je vous dis, il y a plein de rappeurs, moi j'aime pas. Il faut savoir que son rappeur préféré depuis tout petit, c'est Koffs, c'est mon pote Koffs. T'as parlé avec lui, t'es bien, il rigole plus le bof. Hein. Bon. Mais voilà l'équipe, c'était cette petite réaction sur les clips de mon bof. Et pour vous dire un petit peu, voilà, quelques vérités pour ceux qui aiment bien ouvrir leur bouche et tout, pour. Juste critiquer alors que après il faut qu'il continue, c'est important ça. Ouais, voilà, mais une même bonne si critique pour... même si c'est pour mais pas dire par exemple ouais le bof ouais comme j'ai vu des fois ouais t'entends ton clip c'est de la merde, ta chanson c'est de la merde, ouais, vas-y retourne chez toi. Ouais, mais c'est vrai c'est... tu vois c'est des gosses ça, mais tu après peux pas. Après ça c'est de la merde, leurs commentaires ils, oui, non, mais... foutent... ils peuvent se le foutre littéralement dans le cul, tu vois, mais c'est pas grave, voilà. Vas-y commente. Quand... tu me pousses, merci, voilà, ouais, tu pousses et tout, mais on peut pas dire que tu fais de la merde parce que quand même tu fais des trucs recherchés pour tes abonnés qui sont à toi et tout. Des vidéos assez simples, comme dit ouais, tu fais de la merde, je dis bon, bah en fait, c'est pas de la merde, c'est de la vidéo juste simpliste, c'est tout. Pourquoi la simplicité, c'est de la merde, c'est ce qui marche le mieux souvent, tu vois. Mais quand là, on dit c'est de la merde au niveau de la musique, le boulot qu'il fait derrière, je l'ai dit quand même pas. Tu peux ne pas aimer. Au contraire, ça m'encourage. Moi, il y en a que j'aime pas de tes musiques, tu vois, je l'ai dit, il y en a que j'aime pas. Comme je vous dis, vous allez voir avec la dernière. Les prochaines qui arrivent là. Moi, je vous dis, celle que je préfère, c'est la dernière. Comment elle s'appelle, c'est quoi le titre? Ah, celle-là, je peux pas le dire. Non, ils vont le deviner, ils vont savoir de quoi je parle. Ah ouais? Bah oui, ils vont savoir. T'es cassé le couille. Après, c'est l'autre que t'as fait à Skyrock. Cité tragique. Voilà, après, toujours le même. Toujours le même. Après, ouais, il y a Mon Phone. Mon Phone, que t'aimes bien. Elle est pas mal, tu vois, c'est pas mon délire, mais quand même, elle est pas mal. Quand même, Marlène, c'est bon. L'autre, elle est bien, vous allez bien. Voilà. Parce qu'elle est trop. Bon, nous revoici, nous revoilà. Ma caméra a coupé automatiquement parce qu'on était à plus de 30 minutes de rec. Donc j'avais vous, bien sûr, ça va être découpé par ma femme. Ma femme va avoir 30 minutes de découpage, elle va être contente. Bref, vas-y, fais ton intro. Bon, l'équipe, n'hésitez pas à partager, commenter, liker, vous abonner pour plus de vidéos. Ciao. Ciao tout le monde. Wow, 30 minutes, elle va être contente, Lia.